un petit sourire, elle a dit au gros éléphant, ouais, mais moi j'étais malade. Regardez le manger de Kenny, un sandwich mortadelle et de la flotte. Merde, ta famille, elle est vraiment trop pauvre. Et les gars, ça vous dirait, regardez High School Musical 3 ce soir, il y a plein d'élèves de l'école qui vont le revoir encore une fois. C'est quoi High School Musical 3? Bah vieux, c'est la suite de High School Musical 1 et 2. C'est quoi High School Musical 1 et 2? Il n'y a même pas de condiment dans son sandwich mortadelle. C'est quoi High School Musical, putain? C'est juste le truc le plus populaire chez les gens de notre âge, rien de plus. Ouais, vous venez de la planète Mars? Non, du Pérou. Et alors, j'ai encore revu High School Musical 3 vendredi, et qui était avec moi? Bryden Garmo. Bryden Garmo, il est trop craquant. Je donnerais tout pour sortir avec Bryden Garmo, mais lui voudra jamais parce que je suis personne. Dis pas des trucs pareils, chacun de nous a quelque chose qui le rend unique. On est tous différents avec nos qualités, viens donc danser et laisse parler ton cœur. T'as des amis, n'aie pas peur car ils seront là pour t'aider. Oui, les amis, c'est merveilleux, oh yeah. On est tous différents avec nos qualités et on est unis par notre amitié. Bordel, elles nous font quoi, là? Notre amitié, j'en ai aucune idée. On est plus fort, tout le monde le sait. Les élèves de l'école ont tous leurs propres qualités. Putain, les filles, c'est toutes des pédés. Oh ouais, les garçons, ils sont beaux, ils sont musclés. Les filles sont belles comme la nuit de Noël. Et toujours on dansera, toujours on chantera. Attention, il arrive! J'allais m'éclater au soleil en été et chanter jusqu'au soir quand j'ai tout fini. Mais de quoi, si vous voulez mon avis. Qui c'est celui-là? Bah, c'est Bryden Garmo. C'est classé deux, mais il sait chanter et danser mieux que n'importe qui. Il a déjà vu High School Musical 3 plus de 150 fois. On est tous différents avec nos qualités. Est-ce qu'on est les seuls à être complètement largués dans cette école? Ouais, je crois qu'on devrait voir ce film au plus vite.